Metz a maîtrisé le match quand même du début à la fin. On sent qu'elles sont au-dessus, qu'il y a des périodes de jeu, on n'était vraiment pas loin de passer devant, mais voilà, il faut qu'on travaille encore parce que clairement elles sont au-dessus encore de nous aujourd'hui. Avec l'enchaînement des matchs, après qu'il nous faut un peu plus de temps aussi, avec le collectif qu'on a, on est encore en rodage, donc voilà, l'important ce sera à la fin de l'année, et puis c'est bien d'avoir pu se jauger face à cette équipe à ce moment-là de la saison, comme ça à la trêve hivernale on va pouvoir travailler vraiment sur nos points faibles. Notre meilleur match dans le fond, mais on a gagné et c'est l'essentiel pour continuer sur notre belle lancée. C'est un match qui nous tenait à cœur. On voulait continuer à, entre guillemets, à gagner, à prendre des points parce qu'on est engagé sur plusieurs tableaux et c'est important de ne pas laisser de points sur ce match-là pour pouvoir être au mieux dans notre tête pour préparer notre match de Ligue des Champions samedi. Je sais qu'on n'a pas montré notre plus beau fond de jeu. Mais l'essentiel, c'était prendre 3 points ici à Brest pour pouvoir partir à l'esprit léger et continuer sur de bonnes voies. Et en plus de ça, quand même, une équipe qui est très pragmatique. On prend match après match, donc pour nous, il fallait là être présente et prendre des points. Ouais. Bah, ça fait plus que peu des problèmes, ils ont gagné le match. On n'était pas loin, je suis assez content du match des filles. Parce qu'on n'était pas loin, il y a un peu plus de maîtrise de ballon à certains moments, parce qu'on avait des pertes de balles qui nous coûtent cher, qui creusent l'écart. Peut-être quelques décisions du corps arbitral, notamment 3, qui sont à mon avis assez flagrantes. Voilà, donc on n'était pas très loin, on fait un bon match. Je suis plutôt assez content de la production des filles. Metz, ça fait 3 ans qu'elles jouent ensemble, mis à part une joueuse qui est la pivot qui avait changé. On avait regardé, pour préparer ce match, la demi-finale de la Coupe de France qu'on avait joué il y a 3 ans. C'est exactement le même projet de jeu, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc c'est vraiment facile quand les choses sont mises en place. Après, il n'y a plus qu'à affiner quelques petits détails. Nous, on est en construction. C'est-à-dire que les moments clés, on n'est pas forcément présent parce que il manque du vécu, il manque encore d'affinité pour pouvoir trouver cette sérénité, cette confiance quand ça devient très stressant. Forcément, mais c'est un bon match, donc il faut positiver. Et puis les matchs suivent, ça ne semble pas forcément. Là, on va essayer d'enchaîner Midtjylland et essayer d'être... Essayez de chercher peut-être la dernière chance de pouvoir jouer encore en Ligue des Champions. Ok, parfait, merci. Ça va, Laurent ?